rapport à une isolation par l'extérieur en polystyrène. L'avantage de la paille de bois, de la fibre de bois, enfin on peut l'appeler paille de bois, fibre de bois, c'est un peu pareil, hein. C'est pour le même rendement, c'est-à-dire on arrive au même résultat d'isolation. Ben on a d'abord un produit naturel, un produit qui est local, enfin qui a très peu d'énergie grise parce que c'est des produits fabriqués au moins en Europe, du moins, parce qu'il y a pas mal. Et après, c'est un produit qui a un intérêt, c'est l'effet retard. C'est-à-dire que c'est un produit qui a une efficacité aussi bien en isolation thermique l'hiver, c'est-à-dire qu'il va isoler la maison, mais qui aussi va avoir une isolation thermique l'été. C'est-à-dire que ça va emmagasiner de la chaleur et ça va la restituer très lentement la nuit. Les inconvénients des produits comme la laine de verre ou d'autres produits issus du pétrole, c'est qu'ils n'ont quasiment pas d'effet retard. Donc ça c'est au niveau intérêt de la matière. Après, voilà, après c'est une démarche que les gens ont de préférer un matériau du style développement durable. On a plus de sensations déjà d'inconfort, on va dire. On l'a déjà senti quand au tout début, hein, quand ils ont commencé à isoler, ne serait-ce que le nord et là-bas à l'est. Puisque du coup, on a pu, voilà, cette sensation d'inconfort qu'on avait vraiment quand il faisait froid et humide, surtout dehors. La chaleur, avec la chaleur, c'est pareil. On sent voilà, dedans qu'on a une température qui reste fraîche et constante. Le gros avantage aussi que ça a sur nos vieilles maisons, c'est que c'est un produit qui va permettre, qui va laisser la perméabilité des murs. C'est-à-dire que les murs vont continuer à respirer, alors qu'avec un polystyrène, c'est comme si on mettait un film plastique. Le mur, il ne respirera plus jamais. Donc voilà, on permet. C'est pour ça que lorsqu'on met en place, avant de mettre l'isolant, lorsqu'on met en place notre structure, on piquette le mur de façon à enlever tout ce qui est l'enduit, qui était souvent des enduits un peu durs, un peu imperméables. Ça permet de respirer. Et après, lorsque l'on fait la finition, on fait attention de mettre des enduits à la chaux, de façon à respecter ce côté de perméabilité du mur vers l'extérieur. Pour que s'il y a de l'humidité dans le mur, elle s'évacue vers l'extérieur et qu'elle ne reste pas coincée derrière une couche imperméable. Sirène, ça a des avantages aussi. Nous, la partie qui était extérieure sur la maison, qui était la partie qui était enterrée, là oui, par contre, on a mis du polystyrène. Parce que là, c'est vrai que si vous mettez de la laine de bois, elle va être au contact de l'humidité du sol, elle va pourrir de suite. Donc là, c'est vrai qu'il vaut mieux préférer un produit inerte comme le polystyrène. La technique traditionnelle, c'est on colle les panneaux et on les tient avec des chevilles sur le mur. Moi, ça avait l'inconvénient, si vous voulez, c'est que tout tenait sur des chevilles, quoi, en fait. Et du coup, on a eu l'idée de faire ce système de caissons. C'est un peu inspiré des techniques des ossatures au bois. La paille de bois est tenue par ces caissons, déjà comprimés. Et après, on rapporte une couche supplémentaire croisée qui permet d'avoir un complément d'isolation pour avoir le bon rendement, et deuxièmement, de tenir l'ensemble. Là-dessus, après, la technique, c'est la technique traditionnelle, c'est-à-dire qu'on met une trame, on colle une trame avec un produit exprès, c'est-à-dire qui a l'avantage d'être microporeuse, c'est-à-dire que ça permet une respiration du support. Et là-dessus, ça permet de faire un enduit de finition. Là, nous, on fait des enduits à la chaux, mais enfin, on pourrait faire des enduits, quels que soient les. C'est toujours la même technique. Les points difficiles, c'est le prolongement des appuis de fenêtre,
c'est les, la fixation des volets, des arrêts de volets, etc. Je me suis renseignée d'abord sur toutes les isolations extérieures qui pouvaient exister. Et ce qui nous a orienté vers la fibre de bois, c'est qu'on est sur un bâtiment ancien. Donc, après, c'est vrai que l'enduit à la chaux, etc., sont des matériaux naturels, ça laisse respirer le bâtiment. Donc, que ce soit d'un point de vue écologique ou d'un point de vue, je dirais, sanitaire du bâtiment, c'était vraiment le mieux pour la maison. Après, il y avait aussi cette histoire de prix, hein, puisque c'est un budget quand même qui n'est pas négligeable. Et il se fait que c'est pas forcément beaucoup plus cher de faire en fibre de bois qu'en polystyrène.